Alors bonjour à tous, moi c'est InsuranceGrain et je suis là, vous êtes sur BlogXpa. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais faire l'unboxing de l'album BTS B Deluxe. Donc j'espère que ça vous plaira. Et avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors là, je me suis munie de mon album BTS qui est B Deluxe. Alors là, nous avons B. Là, nous avons écrit des. Là, c'est écrit Life Goes On. Like an. Je sais pas. Je crois que c'est tout ce que je connais en train de dire dans sa vidéo unboxing. N'hésitez pas à l'avoir sur Bandcamp ou si vous voulez les traductions en français sur les chaînes des fanbase françaises. Voilà. Nous avons le petit stickers comme quoi c'est certifié, comme quoi ça vient bien de Corée, que c'est pas une contrefaçon et tout. Et puis, comme d'habitude, nous avons. Les petits messages genre de copyright et ceux qui ont participé comme Bingit, James. Après, l'album, comme je vous ai dit, il se présente comme ceci. Et ça s'ouvre comme ça. Franchement, l'album, il est franchement vraiment très gros. C'est le plus gros album de K-pop que j'ai. Parce que on va dire que l'album Map of the Soul 7, ça faisait peut-être la moitié de ça. Et aussi il y a l'album par rapport comment ça s'appelle, au jeu vidéo. Voilà, nous avons le fameux photobook. Et là c'est écrit Life Goes On, like a hero in the forest, like oh, in the blue sky. Bon, enfin bref, je suis en train de dire, mais je ne connais pas. Donc là je vais vous montrer un peu comme ça. Le photobook, je vais le feuilleter un peu comme ça, mais je vais pas tout vous montrer. Donc là, en fait, c'était genre une première page vierge. Là, j'arrive sur une nouvelle page. En fait, c'est que c'est une page carrément, genre, on va dire transparente, mais avec un effet flou. Et j'aime trop. Il y a écrit une phrase. Let me fly to my room. Get me off all my blues now and my feeling brand. New. En fait, je pense que un peu dans tout, dans le book, il y a peut-être des citations par rapport à la musique. Là, nous avons nos chers 7 garçons qui sont super beaux. Par exemple, là, j'ouvre, hop, tac, dit hop. Hop, tac, nous avons vie. Là, nous avons le magnifique Jungkook. Nous avons Jimin. Mon petit Jimin. Nous avons RM. Nous avons le magnifique, le plus beau Suga des BTS. Il est trop beau, mais il me manque dans BTS, voilà. J'espère qu'il serait peut-être bien vite. Ah bah non, bah en fait là c'était V. Je vous ai peut-être montré Jin. Oui, j'ai oublié de vous montrer Jin. Voilà. Il n'y a pas Jin. Bon bah j'ai peut-être un peu Jin. Hein. Ça fait trop bizarre. Quand je me suis dit, c'est sans cette colle ou c'est pas sans cette colle, parce que ça fait genre trop bizarre, c'est comme s'il y avait genre deux cahiers qui les avaient genre collés sur deux trucs rigides, mais qu'ils n'avaient pas fait en sorte de coller les deux trucs là sur ce qui s'appelle un dos. Voilà, je vous apprends quelque chose. Ensuite, bah, nous avons des petites photos comme ça, en extérieur, avec genre tous les membres. Bon, c'est un peu difficile de vous montrer des photos, parce qu'ils les ont fait genre comme ça. On va passer à la suite. Après, ils ont fait un truc qui s'appelle Making Book. Donc, certainement que le Making Book, c'est un truc avec des photos, des brouillons. Là, quand on ouvre, nous avons notre 7 beaux garçons. Là, nous avons genre Suga. Et j'aime bien parce que ça fait genre effet note. Donc ils ont pris genre des notes, peut-être par rapport à des notes qu'ils ont pris pour écrire leur chanson de cet album. Et normalement il doit y avoir cette page avec ce garçon. Donc après nous avons Jungkook. Si je crois que Suga l'avait pas montré, je suis plus sûre. Ça c'est votre vie. Non. Voilà, nous avons RM. Je sais pas c'était qui avant. Ah, Jimin avec RM. On fait toujours 10 mines. Toi, ils n'en ont pas fait beaucoup pour Suga et Jungkook, hein, mes photos. Voilà.
voilà, ça c'était Jean et là c'est Vie. Et là c'est Diop. Là c'est écrit Stay. Enfin, Stay I be whenever you stay. Et après genre, c'est une page genre comme ça, il n'y a rien. Mais jamais ça fait Kay Brulon quoi à l'ancienne. Donc là nous arrivons sur des photocards. Donc nous avons tout bah, la petite carte de la visite. C'est pour le WeVress Shop. Et donc là c'est un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone. Ensuite nous avons un Polaroid BTS. Et c'est écrit Life Goes On. Et après nous avons les photos de tous les membres. Vu que j'ai déjà ouvert mon album, pas une surprise, et puis j'avais déjà vu l'unboxing de Suga. Donc j'ai mis tous les membres dans l'ordre. RM, Jin, Suga, J-Hope, V, JK, et pour finir, nous avons les BTS. Donc, je vais vous prendre la carte des BTS et la carte par exemple de Jungkook, et voici à quoi ressemblent les dos des cartes. Donc là il y a écrit B, mais on dirait que c'est comme quelqu'un qui l'a écrit. Et sur tous les membres c'est genre ce dos là. Et là pour les BTS c'est genre bah l'écriture qu'ils ont pris pour l'album de B. Ah non, par exemple là c'est écrit B comme ça, mais certainement que ça va être l'écriture des membres, parce que je pensais que c'était écrit de la même façon, mais bon. On va dire, je sais pas reconnaître leur écriture. Ensuite, nous avons les fameuses cartes. Alors, je me souviens, dans l'autre team de Suga. Elle commence à les prendre, à les montrer, par exemple, ça c'est celle de Suga. Voilà, voilà. Et puis il est là, j'adore, il est là. Puis il prend celle-là. Parce qu'en fait, il... Attends, je sors ça parce que j'en vois bien. Parce que genre, il avait ça. En fait, là, vous avez genre l'album de BTS. Là, vous avez rien, bien sûr. Là, vous avez comme un cadre devant. Je vais refermer la boîte. Comme ça, hop, ça va être beaucoup plus grand. Vous allez bien voir. Hop, comme ça. Et genre, Suga, il est en mode en train de regarder tout. Puis là, en fait, il dit, mais il prend genre cette carte. Et il dit, oh, en fait, non, c'est pas cette carte-là. Et puis il cherche. Puis là, sa carte. Et puis je sais pas en question s'il la met genre comme ça. Si la met genre comme ça, mais vu que je l'ai manipulé, bah, je suis bien en question. Et donc, moi, vu que Suga, c'est mon blague, et qu'il a fait ça, bah voilà. Mais je pense que je peux le mettre dans l'autre sens. Au moins que ça soit pareil. Le truc là. Ouais, bah, que ça soit dans un sens ou dans un autre, c'est petit. C'est petit en fait. Voilà, voilà. Donc, on va laisser comme ça. Et on va refermer. Et avant ça, regardez cette. Regardez ses beautés. Bon, ça va réfléchir parce qu'il y a Marinette. Je sais pas. Mais regardez-moi c'est cette beauté quand même. Et là, c'est genre écrit. B. Voilà. Après, ça, c'est genre. Vous avez. Genre, la Biki pense que. Après, ça. Bah, vous avez un objet de déco. Voilà, vous avez un cadre. Ensuite, parce que c'est presque fini tout ça. Alors, nous avons la tracklist en version poster. Je crois que ils avaient fait ça pour l'album Map of the Soul 7 ou 17, je sais plus, ils avaient fait. Voilà, et moi je suis pas genre très très fan en fait d'un poster qui te sert aussi de truc de lyrics. Je préfère avoir dans le photobook ou un petit cahier à côté, un petit livret avec les chansons, que d'avoir bah, ça. Parce que genre bah, c'est pas forcément genre pratique. Alors, ok, tu veux l'accrocher sur ton mur en guise de poster, et après, genre, oh tiens, bah, je suis à la deuxième phase, donc tu vas pas commencer à enlever ce que t'as mis avec de la pâte à fixer et tout, donc je comprends pas pourquoi, même si c'est très joli, mais non, en fait, c'est pour faire économiser moins de papier. Et là, nous avons genre, un poster avec donc tous ensemble. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce fameux album de luxe. Après, je sais qu'ils vont sortir la version essentielle. Avec, il y aura des stickers de. Avec les stickers de certification Grand Prix Date. Ils ont été nominés au Billboard Music Award. Non, ils ont été promis au Billboard Music Award. Et un autre. Non, au Grammy, je sais plus. Ils avaient fait ça sur leur V Live. Oh, mince, j'ai mis des paillettes bleues.
pas, il y a des paillettes bleues qui traînaient sur mon bureau. Et bah, mon album, il y aura des paillettes bleues. Tant pis. Et voilà quoi. Mais genre, dans la version essentielle, il y aura genre, moins de trucs que ce que je vous ai montré. Et en fait, ils ont mis. Genre, franchement, je sais pas que c'est le meilleur album en termes de chansons, mais c'est le meilleur album parce que pour une fois, vous aurez tous les membres de BTS. Donc, forcément, si vous avez un meeting bias, un bias, ou je sais plus comment dire, mais c'est comme un bias, enfin, c'est pas un bias de substitution, mais c'est un bias, ça aurait pu être votre bias dans le groupe. Bah, ça peut être genre sympa parce que vous avez genre tous les membres du groupe individuellement, et puis deux photocards, une version Polaroid et une version comme des versions genre solo. Après, vous avez genre plusieurs, on va dire, photos, des trucs art, je sais pas, pour mettre genre dans l'espèce comme si c'était un cadre photo. Et ça, vous aurez genre tout. Après, bah, c'est sûr, vous aurez le fameux, le gros photobook, le petit photobook Making of. Vous avez genre deux posters, un poster avec genre les tracklists, avec les lyrics de toutes les chansons, et aussi vous aurez un poster avec les BTS. Donc là, franchement, comparé à leur album Map of the Soul, Seven, je préfère plutôt l'album B. Je vous ai fait un unboxing sur l'album Map of the Soul, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais je trouve que c'était mal pensé. En fait, le photobook, c'était pas vraiment un photobook. C'était juste genre des photos comme ça. Je comprenais pas. C'était nul. J'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, les sucres arc-en-ciel.